Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente ce nouveau 5008, le modèle 2021. Le 3008 vous avait tellement plu, plus de 150 000 vues sur la chaîne, c'est la vidéo que vous avez le plus appréciée. J'espère que ce 5008 vous plaira tout autant. Comme d'habitude, on va faire le tour de l'extérieur, de l'intérieur, on va faire un tour sur la route, on va voir vraiment ce que ça donne en détail. Je vais vous présenter tout ce qui est possible de faire avec ce véhicule. On l'a aujourd'hui en version 7 places, on verra l'habitabilité aussi à l'intérieur. Allez, on commence par l'extérieur, c'est parti. À l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, bah, comme son petit frère, le 3008, il a mis des griffes ici, les grosses dents, comme on retrouve maintenant sur toutes les Peugeot qui se veulent vraiment plus modernes, qui a commencé à arriver sur la 208, la 2008, la 508, 3008 et la 5008. Donc c'est vrai que ça donne vraiment ce style vraiment très caractéristique à Peugeot. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc ici, on a des LED, les LED de jour et qui serviront de clignotant au moment où on active le clignotant, donc qui enlève le blanc et qui passe en orange. On finit ici avec une petite barre chromée et ces nouveaux phares ici. Donc là, on a des phares, hein, bien sûr, full LED, donc qui ont un petit peu évolué par rapport à l'ancienne génération qui était un petit peu plus marquée. Donc ça, c'est la première grosse chose. Deuxième grosse chose, c'est ici la calandre avant qui a totalement changé et donc on n'a plus de cadre de calandre ici, hein. On a vraiment une calandre qui se prolonge ici dans le bouclier avant et ça donne vraiment un côté plus moderne, plus agressif aussi. Et ça là, ça donne vraiment quelque chose qui élargit la voiture puisque ça fait des grandes lignes horizontales qui partent d'ici jusqu'à là. Et donc avec ces petits inserts chromés ici tout le long de la calandre, eh bien, ça donne l'impression que ça se prolonge vraiment jusqu'au bout. On a ici cette nouvelle partie, là où des fois avant il y avait des anti-brouillards, maintenant plus du tout, c'est juste une partie plastique qui cache et qui donne juste du style. Sur l'avant également, le logo ici qui apparaît maintenant sur toutes les nouvelles Peugeot, donc avec le 5008 qu'on retrouve ici avec le logo infini au milieu qui colle les deux euros. Toujours au centre de la calandre avec la petite caméra ici qui nous donne accès à la vision 360 degrés. En dessous, ici, on a le détecteur pour les collisions et autres. Donc ça, ça vous alerte pour les gros freinages ou s'il y a un danger. Et ensuite, donc, on a ici une sorte de double lame, triple lame avec une toute petite lame ici. Donc, et là, du plastique avec les capteurs de parking qui sont bien intégrés ici, qu'on voit très peu. Alors ça, j'aime bien puisqu'ils sont mis sur le plastique et pas sur la carrosserie. C'est un peu plus joli. Et sur cette lame, on peut noter également hein, une petite différence de teinte qui donne un peu plus couleur à l'U. Et là, aujourd'hui, on a ce beau gris Artense qui est très sympa et qui a de beaux reflets au soleil. Comme on va le voir, les principaux changements sur cette voiture sont surtout sur l'avant, sur l'arrière et un petit peu à l'intérieur. Ce petit joujou fait 4,64 m de long, 2,10 m de large avec les rétroviseurs et 1,64 m de haut pour un poids d'environ 1450 kg. Il sera disponible avec deux moteurs essence et deux moteurs diesel. On aura le choix entre la boîte manuelle ou la boîte automatique à 8 rapports que je conseille vraiment puisque c'est très agréable d'avoir une boîte automatique et on verra que c'est plutôt économe aussi avec ces 8 rapports. Pour les moteurs, on a le choix soit en essence un 1,2 litre ou un 1,6 litre et pour les moteurs diesel, comme on aura aujourd'hui un 1,5 litre ou un 2 litres, aujourd'hui on a la version 130 chevaux. À l'arrière, tout là-bas, on retrouvera un réservoir de 56 litres pour l'essence ou le diesel. Donc comme on peut le voir de côté, 4,64 m, c'est quand même assez long. On n'a pas énormément de changements par rapport à l'ancien 5008. Donc on a ici les barres de toit chromées avec l'option toit noir, donc qui donne un style vraiment bien joli à la voiture avec ce côté biton. On peut avoir aussi le toit ouvrant à 1200 euros supplémentaires. Sur le côté, donc un simple. On a les poignées ici type frigo, un gros bas de caisse ici tout en plastique avec les arches de roue qui sont toujours en plastique, ce qui donne vraiment ce côté SUV à beaucoup de véhicules
puisque concrètement maintenant les gens veulent des véhicules hauts et qui donnent un style un petit peu baroudeur qu'on peut retrouver. Par rapport aux jantes, aujourd'hui on a du 18 pouces et je pense que c'est le meilleur rapport confort esthétique pour ce véhicule. En largeur, on sera sur du 225 de large. Au niveau des jantes, sur ce véhicule, aujourd'hui, on a du 18 pouces, donc qui est pour moi le meilleur compromis esthétique, confort, puisque avoir des jantes trop grandes, eh ben, ça réduit la taille des flancs et ça devient un peu plus tape-cul sur les routes qui sont un petit peu abîmées. Le 18 pouces laisse des flancs assez larges et aujourd'hui, on sera sur du 225-55, donc au final, ce qui est plutôt bien. Ce qui change également à l'arrière, comme vous pouvez le voir tout de suite, c'est ces nouveaux phares. Donc, on a trois griffes à chaque fois qui sont bien démarquées sur un fond noir et plus sur un fond rouge. Donc ça, ça donne aussi un air un petit peu plus moderne et un petit peu plus classe à cette voiture. On aura dessus les clignotants à défilement. Ça, c'est beaucoup plus sympa et je trouve que ça apporte ça aussi un côté vraiment moderne et un petit peu plus premium à chaque véhicule qu'il a. Sur l'arrière, donc, on a ce béquet ici qui finit bien la voiture. Alors, à l'arrière, on a ce style donc avec les hanches en bas qui sont assez larges et le toit qui remonte de cette façon. Et ça donne l'impression qu'elle n'est pas si large que ça. Mais en fait, une fois qu'on est à l'intérieur, on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment de la place. Maintenant, également, ce grand bandeau qu'on retrouve sur les voitures, donc entre les deux feux, du noir ici, brillant, avec le logo Peugeot et le petit rappel Peugeot en tout petit d'inscrit à cet endroit-là. Au-dessus, donc, on a les vitres teintées pour l'arrière, un tout petit essuie-glace juste ici et un grand haillon de coffre avec juste ici une petite partie en chromé qui donne un petit effet aussi très joli. Des pare-chocs ici en plastique avec les radars de recul intégrés. La caméra de recul se trouve juste ici au-dessus de la plaque et à l'arrière, en dessous, on ne voit pas d'échappement, c'est que deux artifices en plastique. Les échappements sont maintenant cachés bien plus bas. À l'arrière, dans le coffre, on aura à partir de 780 litres et on pourra avoir jusqu'à 1440 litres lorsqu'on abat tous les sièges. Ça nous fait un énorme plancher plat. Et si vous voulez partir en camping, vous pouvez même vous mettre un matelas ici et vous pourrez faire une bonne petite sieste. Cette voiture ayant l'option 7 places, donc c'est très simple, on peut rabattre ces petits tapis ici qui sont rigides pour avoir accès au siège arrière qui se situe juste ici. On a des petites languettes partout qui nous permettent de relever super facilement les sièges. On peut rabattre ça. Une fois que ça s'est rabattu, on a même de la place un petit peu en dessous. Alors, on mettra vraiment pas grand-chose. Si vous avez 7 personnes à l'intérieur, eh bien, ce ne sera pas forcément l'idéal pour stocker. Il vous faudra à ce moment-là un coffre de toit. Ce qui est super pratique, c'est vraiment cette façon de mettre et enlever les sièges. Regardez à quel point c'est pratique et c'est ultra rapide. Plein de petits tips que j'ai adoré sur cette Peugeot. Par exemple, les ceintures que vous avez à l'arrière ici. Regardez. Donc, elles sont là. On peut dire que ça se balade. Et non, Peugeot a pensé à mettre des aimants qui viennent se fixer ici sur les passages de roues. Je trouve ça excellent, c'est juste une toute petite idée. Mais qu'est-ce que ça ajoute quelque chose? Je trouve ça vraiment très très cool. Autre petite chose sur le côté droit, pour le passager qui seront à l'arrière, eh bien, il y a deux petits stockages pour mettre les téléphones par exemple à cet endroit-là. On a ici de quoi mettre une bouteille. On a plein de petits rangements avec un petit porte-gobelet intégré sur le passage de roues. Eh bien, c'est plein de petites choses qui font que c'est vraiment très sympa. Pareil. Cet endroit-là, qui est très facile à mettre, eh bien, plein de petites choses comme ça, c'est des petits détails, mais ultra pratiques, tout comme ici. Et c'est pareil, à l'arrière, Peugeot a pensé à la distance qu'il y aura entre les sièges à l'arrière, puisque les sièges arrière, les trois coulisses, indépendamment, eh bien, ils ont pensé à mettre des petites plaques aimantées sur les sièges et qui vont redescendre sur le coffre et qui vont bouger avec les sièges pour éviter que des choses tombent derrière les sièges. Franchement, très très bonne idée, bravo Peugeot. Sur le coffre, ici, on a le triangle qui se situe dans sa petite boîte à cet endroit-là, qu'on déclipse ainsi. Et donc, on a le coffre qui se ferme automatiquement et on peut avoir aussi la fonction avec le pied ainsi. Mais les sièges arrière, facilement, on déclipse ça. Donc franchement, un petit clips juste ici. Donc ça, on pourra le laisser à la maison. Ensuite, donc, ces petites palettes, on les relève. Je déplie ça de cette façon, juste à tirer ainsi. Je tire sur les languettes que j'ai juste là. Hop. Et hop,
les sièges à l'arrière sont mis et ça m'a pris vraiment 10 secondes, ultra pratique. Pour l'accessibilité à bord à l'arrière, donc le siège ici, je tire sur cette manette, ça me plie le siège un petit peu et ça me le fait avancer. Ça me permet, alors je fais 1m80, regardez, je rentre vraiment assez facilement à l'arrière et voilà, donc là j'y suis. On a des très grandes portes là-bas et j'ai la place d'aller chercher la portière pour même la fermer moi-même et rabattre le siège. Alors, j'ai pas énormément de place pour les pieds, mais là, le siège est en position assez reculée. Il y a plusieurs positions. Donc là, en mode avancé, j'ai un peu plus de place. Alors, au final, même en étant en arrière, regardez, ma tête ne touche pas. Et franchement, je ne suis pas si mal que ça. Et même de ce côté, si je m'y mets, eh bien, ce sera franchement plutôt une bonne chose. Et je pense même que si vous êtes 2, 4, 6 personnes, eh bien n'hésitez pas à mettre les sièges arrière en repliant celui-ci et les personnes seront bien à l'aise de cette façon. Autre bonne chose, on a le petit porte-gobelet ici, les petites ceintures donc avec les petits aimants qui se fixent juste là. On a la ceinture donc pour les jambes devant qui viendront chercher ici dans le plafond. Et pareil, elles sont aimantées une fois là-haut, pas comme chez Renault par exemple où il faut les remettre dans des petits clips. On a des éclairages ici, 3 LED. Et là, de ce côté, j'ai même une petite prise allume-cigare 12 volts pour pouvoir mettre des accessoires. Là, pareil, j'ai un rangement de ce côté-là. Un petit élastique, si je veux fixer quelque chose ici aussi. Eh bien, franchement, on est quand même sur une très bonne habitabilité et plein de petits rangements ingénieux. Sur la deuxième rangée à l'arrière. Pareil, je rentre super facilement. Je ne sais pas si vous avez vu, on a une porte alors qui est énorme, une des plus grandes portes du marché sûrement pour des portes arrière. Et on a une accessibilité super facile. Il n'y a pas besoin de soulever et rebaisser énormément les pieds. Franchement, on passe très très facilement. Lorsque je referme la porte, sur ma porte, j'ai ce petit rideau ici, hop, qui pourra servir pour les enfants ou s'il y a trop de soleil. Les appuie-têtes relevables, hop. Et alors, regardez l'espace que j'ai aux jambes. C'est impressionnant. Alors, et là, je suis en position droite, redressée. Je peux avoir le dossier en deux positions. Donc, soit comme ça, soit comme ça. Donc, deux positions. Alors, ce n'est pas un dossier qui va se régler comme un siège avant, mais en tout cas, très bon point que ce soit là. Regardez, l'espace aux jambes, vraiment, hein, je peux me mettre comme je veux. J'ai au moins 20 cm devant mes jambes. Et moi, je fais 1m80 et le siège avant est réglé pour moi. Petite autre chose, comme dans l'avion, une petite tablette ici. Vous pouvez poser vos affaires. Elle est aimantée en haut. Donc, normalement, ça ne devrait pas casser comme un petit clips ou autre. Bonne chose aussi. Bien utile pour les enfants qui veulent faire du coloriage ou autre. Un petit filet juste ici. Donc là, ici, on a l'arrière tout en plastique. Si vous avez des enfants qui tapent partout avec les pieds, beaucoup plus facile à nettoyer également. On a 3 places à l'arrière, donc avec 3 sièges distincts. Et chaque siège a, regardez, le niveau d'avance du siège. Pareil, on a vraiment une très bonne translation, super pratique, comme un siège avant. On tire en dessous et on avance. Ça aussi, ça peut bénéficier au volume supplémentaire qu'on peut avoir dans le coffre. Ce siège ici, on peut le baisser super facilement. On a une petite languette juste à cet endroit-là. Hop, il suffit de la tenir. Je tire dessus. Pareil, ça modifie l'inclinaison sur deux niveaux. Et si je tire à fond, hop, ça le baisse. Et plancher plat jusqu'au fond du coffre. Et regardez, donc avec ça, comme je l'expliquais, eh bien ça permet de rien perdre derrière le siège. Ici, on voit fixation top tether qu'on a sur les 3 sièges indépendants. Et on a également sur chaque siège les fixations ISOFIX à 3 endroits. La place du milieu, eh bien, pour une fois, la place du milieu, c'est la meilleure place de l'arrière ici, puisque plancher totalement plat, pas de tunnel central ici, c'est vraiment top. Je fais du 45, eh bien, mon 45 passe sans problème à cet endroit-là. Pareil, ce siège, il s'avance comme les autres, il s'incline plus ou moins. Ici, j'ai une prise 12 volts, les aérateurs ici, donc on peut régler à gauche, à droite, le niveau de puissance de la ventilation. Et en plus, deux prises USB juste en dessous. Donc vous pourrez recharger déjà pas mal de choses si vous avez deux prises USB là. Plus ici, vous pouvez mettre des dédoubleurs et autres. Donc au final, franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Sur les côtés, les ceintures seront dans les portes. Et comme je disais, quand on était à l'arrière, la ceinture du milieu arrive de là-haut et vraiment
très facile à attraper. Il ne faut pas aller la chercher loin. Elle est juste au-dessus du niveau de la tête de l'autre. Donc, elle passera de côté et on s'attachera ici. Alors, à l'avant, pareil, comme à l'arrière, on rentre très facilement. On a une grande porte qui s'ouvre bien avec un angle assez grand. Une belle poignée qu'on attrape facilement. Et une fois qu'on est installé, on est vraiment très bien installé. On tombe vraiment dans un cocon avec tout ça qui nous entoure. Alors, si vous aimez bien être cocooning, je pense que ça, c'est une voiture qui vous plaira avec ce petit volant ici, tout doux. Donc, le petit volant de chez Peugeot qui se fait depuis des années maintenant avec mes pleins en haut, mes pleins en bas. Alors ça, ça peut être un petit peu bizarre et déroutant au début puisqu'on a des mes plats souvent habitués à l'avoir en bas. Alors, on peut se dire, ah, est-ce que je suis du bon côté? Mais on s'y fait vraiment très, très vite. Donc, première chose pour moi, les sièges. Très, très bon siège avec ici hein, les côtés qui remontent énormément, qui vous offrent un maintien exceptionnel pour ce genre de véhicule. Et une fois qu'on est dedans, on est très, très bien posé et très, très bien maintenu, que ce soit au niveau des cuisses ou ici du bas du dos. Eh bien, vous ne bougerez pas, même en conduite assez dynamique. Ce sera vraiment très confortable. Sur la gauche, donc, on a cette bande tissu donc, qui commence ici, qui se prolonge tout le long ici et qui finit sur la porte de droite, que je trouve très sympa, qui donne un air un petit peu plus maison, pareil, cocooning, plutôt que du plastique vraiment partout. Alors après, par contre, on a quand même du plastique, mais du bon plastique qui est moussé un peu partout, et ça, c'est une bonne chose. On a un petit peu de cuir ici, du cuir ici, une console là qui est à cet endroit-là. Sur la gauche, on a donc notre belle poignée ici qui nous permet d'attraper la porte, la poignée d'ouverture, les fenêtres que l'on peut régler juste ici, les rétroviseurs. Ensuite, donc, on a nos bouches d'aération, deux pour chaque personne, comme d'habitude. À gauche, derrière le volant, on a quelques réglages. Donc là, c'est le maintien dans les lignes, deux fois pour ouvrir le coffre, l'alarme et la sécurité, enfin pour l'arrière. Derrière le volant, on a donc à gauche les phares. Donc bien sûr, on a les phares automatiques. On n'a plus à s'en soucier. À droite, les essuie-glaces. On a bien sûr aussi les essuie-glaces automatiques. On n'a quasiment plus à s'en soucier. Derrière ça, on a les palettes. Donc moins à gauche, plus à droite, puisqu'on a une boîte automatique, mais qu'on peut repasser en manuel grâce au petit bouton juste ici. En dessous, un peu plus bas, en dessous des palettes, là, on a le régulateur limiteur de vitesse. Donc qui nous permettra, eh bien, comme ses noms l'indiquent, de réguler la vitesse. On choisira la vitesse où on souhaite rouler ou sinon le limiteur qui permettra eh bien, de pouvoir accélérer et la vitesse ne dépassera pas la vitesse que vous lui demandez, sauf si vous allez tout au fond de la pédale pour dépasser en cas d'urgence. Sur ce petit volant à gauche, on a eh bien, le volume du son pour tout ce qui sera radio, volume, etc. qu'on vous parlait. Une petite commande vocale. Alors personnellement, les commandes vocales, moi, je suis pas vraiment pour. Et la petite molette ici qui va nous permettre de changer la vue sur les compteurs eh bien, qu'on aura au fond de l'iCockpit. L'iCockpit, venons-y. Donc, on a l'iCockpit qui est situé au-dessus du volant. Donc, en affichage tête haute, c'est pour ça que chez Peugeot, on n'aura jamais d'affichage tête haute sur le pare-brise, puisque, eh bien, au final, on a déjà tout ce compteur qui se situe à cet endroit-là. On a le choix de plusieurs menus différents, enfin, menus, plusieurs écrans différents avec les personnalisations que je vous montre juste là. Donc, le personnel, les cadrans et autres que vous pouvez personnaliser avec une animation qui est quand même assez sympathique. Seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est un petit peu lent. Voilà. Ensuite, et donc à droite de la cockpit, on aura ce bel écran ici avec une belle dalle mate qui est tactile avec cette belle finition ici, donc avec un contour en noir laqué et donc les options qui se gèrent sur les petites touches piano juste à cet endroit-là. Donc on a accès ainsi aux différents menus, donc musique, ventilation, navigation, paramètres de la voiture, téléphone et les applications. En dessous, on a eh bien, ce qui concerne la clim, donc en accès rapide, dégivrage des vitres avant, arrière, le recyclage d'air et le verrouillage du véhicule. La petite molette pour gérer le son du volume. En dessous, on a cette grande partie ici qui va vous servir à connecter votre téléphone en Android Auto ou Apple CarPlay grâce à la petite prise USB au fond. On a également une prise 12 volts et vous avez en option pour 100€ le chargeur à induction. Donc chargeur à induction, vous prenez votre téléphone, plus de batterie, vous le jetez là. Ça s'allume en vert et votre téléphone charge. Ensuite, on a le bouton Start Engine. On a ce levier ici, alors qu'il y a une forme très ergonomique,
on peut attraper vraiment, on peut poser la main dessus. Et donc, on tire vers nous pour se mettre en drive, on pousse pour mettre en reculé et on appuie sur le petit bouton juste ici pour se mettre en parking. Juste derrière, on a le frein de parking, donc l'ancien frein à main. Donc, on tire pour l'activer. Une petite zone pour mettre quelques petites pièces ou autres, ou le téléphone que vous pouvez mettre là. Alors, il ne faut pas que ce soit forcément un très grand smartphone, sinon il rentrera qu'en biais. À la droite, on trouve les drive modes. Donc, sur cette voiture, on a trois drive modes, le mode éco, normal et sport. Ça va influer sur la cartographie du moteur. Donc, en mode éco, on aura un petit peu moins de puissance. Donc, la voiture va faire en sorte que bah, vous rouliez plus économiquement. En mode normal, la voiture sera en mode normal. Et en mode sport, la voiture va pousser les rapports un petit peu plus loin et essayer de rendre la voiture un petit peu plus dynamique, justement en poussant les rapports et en essayant de les passer un peu plus vite. Et ici, deux porte-gobelets qu'on aura. Et à cet endroit-là, donc l'ouverture de chaque côté en deux parties, avec ici, pareil, un petit endroit pour mettre des pièces ou autre, et quelque chose d'assez profond, où vous pourrez mettre quasiment tout l'avant-bras. On pourra y mettre ici une grande bouteille d'un litre et demi ou deux litres, et c'est réfrigéré à l'intérieur pour l'été, si vous avez besoin d'une bouteille fraîche. Pas mal de choses, en gros, hein, comme d'habitude, mais on pourra remettre aussi une grande bouteille. C'est pareil, dans les portes, on peut mettre une grande bouteille d'un litre et demi, un litre et demi là-bas. Je pense que si vous avez soif, cette voiture, elle est faite pour vous. Vous pouvez aller faire vos courses et mettre des bouteilles un petit peu partout. Alors, on va débuter cet essai en ville et on va voir s'il est comme son petit frère ou sa petite sœur, le Peugeot 3008 qui vous avait tant plu sur la chaîne. Si on est habitué aux nouvelles Peugeot, on n'est vraiment pas déboussolé à l'intérieur. L'écran qui est ici en hauteur, donc l'iCockpit, toujours situé au-dessus du volant depuis quelques années chez Peugeot. Alors ça, c'est une bonne chose et ça permet de ne pas avoir besoin d'un affichage tête haute puisqu'on a déjà, au final, l'affichage qui est un petit peu façon tête haute. En ville, donc, c'est très confortable. Là, depuis tout à l'heure, la voiture a passé 4 rapports. On est à 45 km/h en 4e et c'est vraiment hyper fluide. Le passage des rapports est vraiment quasiment imperceptible. Lorsqu'on ralentit, pareil, le rétrogradage totalement imperceptible. Donc ça fait 3, 2, 1 et voilà, on est arrêté. Il y a alors cette version 130 en diesel. On a le start and stop qui est dispo. J'espère que bientôt il y aura des versions hybrides, ce serait vraiment top. En tout cas, voilà, ça redémarre, c'est super souple. Pareil, deuxième, on ne sent vraiment pas du tout le passage des rapports. Le diesel, on entend toujours un petit peu le moteur. Alors ça, c'est comme ça, on ne pourra rien y faire. Mais ça reste confortable en tout cas pour les longs trajets, les personnes qui auront l'habitude de faire beaucoup beaucoup de routes. Un diesel leur sera quand même fortement recommandé. Dans ces sièges, on est vraiment bien assis. On a les accoudoirs ici, donc qui sont vraiment bien présents de ce côté-là aussi. Et on a de l'espace, on se sent vraiment bien dans ce véhicule. On peut se mettre assez haut, on est un peu plus haut que les autres dans les voitures normales et c'est vraiment une bonne chose. On a deux grandes palettes derrière le volant qui sont fixes avec lesquelles on peut s'amuser, mais je vous recommande vraiment de pouvoir utiliser la boîte automatique la plupart du temps. Sur la navigation ici, on a d'afficher quelques informations, par exemple les stations essence qui se trouvent à proximité, donc c'est une bonne chose. Au niveau de l'essence, j'ai fait jusqu'à présent une moyenne de 5,4 litres, ce qui est plutôt raisonnable pour un assez gros véhicule, en faisant du 110, 90 et un petit peu de ville. C'est plutôt raisonnable. Bien sûr, on a plusieurs modes de conduite, donc que je sélectionne avec le bouton juste ici. Donc le mode sport qui met le compteur tout en rouge. Alors le sport, c'est toujours rouge sur les tableaux de bord, c'est assez marrant, mais ça donne voilà un petit côté un petit peu énervé. Ensuite, il y a le mode normal, donc qui repasse en bleu, et on a aussi un mode éco. Le mode éco, eh bien lui qui va justement brider un petit peu les performances et vous faire adopter une conduite un peu plus économique et une façon plus souple de rouler. C'est vraiment moi ce que j'utilise la plupart du temps sur toutes les voitures. J'ai pas de raison de rouler de façon énervée ou pressée. Le mode éco, moi, me convient parfaitement. Avec ce petit volant, c'est vraiment top. Et le gros gros avantage de Peugeot, comme sur le 3008, c'est un rayon de braquage qui est vraiment très très bon. Là, on a pas mal de petites anomalies, pas mal de bouches d'égout et autres. Eh bien, c'est plutôt bien filtré. On sent que la voiture reste quand même assez rigide. Enfin, quand je dis rigide, je veux dire qu'elle a quand même
un comportement qui va pas vraiment, vous voyez, c'est la voiture va pas flotter énormément avec une suspension trop molle, elle reste quand même assez ferme mais plutôt confortable. Et l'insonorisation dans la voiture est très très bonne. Alors là, bon point Peugeot, puisque les anciennes, c'était pas forcément aussi bien que ça. Au niveau du freinage, on a vraiment une pédale très progressive. Ça mord pas d'un coup et c'est pas trop souple. C'est plutôt bien pour ce genre de véhicule. Là, on a la détection de collision. Donc si vous arrivez un peu plus fort avec un véhicule qui se rapproche rapidement, vous allez avoir l'information au tableau de bord. Attention, vous allez percuter quelque chose si vous freinez pas. Le bruit du clignotant, que je trouve très sympa chez Peugeot. C'est pas un bruit assez aigu, donc ça c'est plaisant aussi. Le volant, vraiment, c'est hyper délicat, c'est top. Avec ce petit volant en cuir qui est plutôt doux en plus, avec un endroit ici pour poser bien les pouces. Alors selon comment vous conduisez, moi je conduis plutôt les pouces là dans les creux. Et si je veux relancer, bien, même en mode éco, ça relance assez bien. À partir de 2000 tours, il y a quand même beaucoup de couple. C'est ça l'avantage du diesel aussi. Et là, pareil, on est sur une route qui est un petit peu dégradée en ville. Eh bien, ça reste toujours très confortable. Et ce que j'aime énormément chez Peugeot, c'est ces nouveaux sièges qu'ils font, même sur la 208, 3008. Eh bien, c'est des sièges qui sont bien remontés ici et qui maintiennent vraiment bien dans le dos. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Alors, on va se tester la fonction parking automatique. J'appuie sur le mode parking. Entrée en créneau, parking assist. Je mets mon clignotant. La voiture va, elle, me déceler une place de parking. Elle me dit reculer. Donc, je lâche le volant. Et là, c'est elle qui se charge de faire toute la manœuvre. Et moi, je m'occupe juste d'accélérer et freiner. Alors, je vous avoue que j'ai un petit peu peur pour là-bas. Non, ça passe puisque là, on est dans une place hyper étroite. Et franchement, bien joué. Elle s'y prend super bien. On a la vue 360 degrés. Hop, je repasse la marche avant. Le volant tourne de l'autre côté. Avec toutes les caméras et tout, eh bien, c'est parfait. Moi, j'ai rien fait et la voiture s'est stationnée d'elle-même. Donc, en ville, elle se comporte très bien, donc comme un gros SUV. Le gabarit, alors, il a l'air assez impressionnant, mais pas tant que ça. Au final, on se fait vraiment bien à la voiture. Et comme je disais, comme elle a un très bon rayon de braquage et qu'elle est très facile à manier, eh bien, ça aide vraiment au quotidien. Regardez, comme là, vraiment d'une facilité déconcertante, emmener la voiture un peu où on veut. On va aller se faire un petit tour sur autoroute, donc nationale et autoroute, et on va voir ce que ça donne un petit peu plus haute vitesse. Hop. Alors, donc là, je vais me remettre par exemple en mode sport pour m'insérer un peu plus fort. Donc, quand je me mets en mode sport, eh bien, il y a une réponse à la pédale qui est totalement différente, la voiture retombe en rapport et ça va rendre la voiture beaucoup plus réactive. Donc là, si je réaccélère un peu plus, alors ça y va, c'est un petit peu poussif quand même, puisque c'est qu'un moteur 130 chevaux en diesel, mais ça relance quand même assez efficacement. Donc je vais me mettre le régulateur, 90 km/h, hop, donc je touche plus à mes pieds. Alors malheureusement sur ce véhicule aujourd'hui, il n'y a pas le régulateur adaptatif à 90 km/h, donc là je suis en 6ème, je peux passer la 7ème. Je peux même mettre la 8ème. Et bien, à 90 km/h, on n'entend vraiment quasiment pas le moteur. Alors là, ça retombe des rapports parce que je me suis mis en mode sport. Donc elle veut toujours être un peu plus dynamique. Je repasse en mode éco, elle a repassé un rapport tout de suite. Donc 90 km/h, comme je le disais, on n'entend vraiment pas le moteur. C'est super bien sonorisé. Très, très peu de bruit de roulement, mais vraiment quasiment rien. Et niveau bruit d'ivant, ben c'est pareil. En tout cas, belle surprise là-dessus, puisque les Peugeot, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux avant. Et là, c'est vrai qu'ils ont quand même fait un bel effort. À 90 km/h, là, j'ai une consommation instantanée de 3 litres, donc qui est aussi entre 3 litres et 3 litres 5. Ça, c'est vraiment plutôt une bonne chose. 90 km/h, en tout cas, cette voiture sera très sobre si vous faites beaucoup de trajets sur des nationales ou départementales à cette vitesse. Alors, le seul petit reproche que je peux faire à toutes ces voitures récentes, c'est que, bah, par exemple, quand je tombe des rapports, eh bien là, je suis passé de la 7ème à la 4ème
à la troisième, bah, c'est qu'il n'y a quasiment pas de frein moteur sur ces voitures à cause de ces boîtes et ces petits moteurs. Pour passer en manuel, soit on peut toucher aux palettes directement, soit on appuie sur le petit bouton M ici qui s'allume en vert si on souhaiterait être en manuel. Et dès qu'on le désactive, ça repasse en mode drive, simplement comme une boîte automatique. À 50 en ville, c'est parfait. À 50, je suis en 5e vitesse, 50 km/h, et ça m'indique 1,8 litre. Vous avez entendu le petit... Alors, je ne le fais pas forcément très bien. Ça, c'est pour vous prévenir des zones de danger. Les dangers en France, qu'est-ce qu'on appelle les zones de danger? C'est les zones où il y a des radars. Ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et je remercie les constructeurs, en tout cas, de faire ça, puisque ça peut préserver nos points. Et avec ces voitures qui sont tellement insonorisées, tellement bien, qui filtrent tellement bien tout, eh bien, des fois, on peut être un petit peu au-dessus de la limitation, puisque 60 km/h, on est tellement bien dedans qu'on ne le sent pas forcément. Et donc là, par exemple, ici, j'ai un radar. Alors, c'est un radar de feu, et ça m'a prévenu grâce à ça. Et lorsque je vais sortir de la zone, il va me reprévenir que je suis sorti de la zone de danger. Et voilà, là ça me dit que je peux rouler et je suis tranquille. Bravo Peugeot pour ça. Et pour me relancer à 90, vraiment aucun souci et j'y suis facilement. Comme c'est un diesel, c'est assez coupleux, pas besoin que la voiture tombe à rapport. Si vous y allez tranquillement, et bien ça va rester sur la 5e, 6e, 7e et ça va relancer tranquillement. Au niveau des aides à la conduite sur ce modèle, on a l'aide au maintien dans les lignes. Donc là il est activé. Si me penche un petit peu, bah voilà, ça me redresse un petit peu le volant et il faut que je mette le clignotant. Voilà, donc là elle vient me dire que je tenais pas le volant puisque la voiture zigzaguait un petit peu, mais elle me remet dans les lignes. Alors elle vous gardera pas pile poil entre les lignes, elle va attendre que vous touchiez la ligne pour vous remettre d'aplomb. Et ensuite on a le régulateur et le limiteur de vitesse. Ça, c'est des choses qui sont quasiment indispensables en 2021. Je dirais même que maintenant en 2021 il faudrait qu'on ait le régulateur adaptatif qui soit sur toutes les voitures, parce que c'est quand même un vrai plus, surtout pour nous qui sommes ici en région parisienne. Alors, on va se mettre à 110 km/h. 110 km/h, comme vous pouvez l'entendre dans l'habitacle. Ah, attention, encore une petite zone de radar. J'adore la France pour ça, il y en a vraiment partout. 110 km/h, comme vous pouvez l'entendre dans l'habitacle, eh bien c'est toujours très bien insonorisé. Pas de bruit de vent, pas de bruit de moteur. On est toujours dans quelque chose de très confortable et ça, c'est vraiment l'idéal pour faire de la route, puisque au final ce 5008 est destiné aux gens qui veulent faire pas mal de routes. Donc toujours au régulateur, l'aide au maintien dans les voies qui est bien pratique lorsqu'on a beaucoup de routes à faire et qu'on peut être un petit peu distrait à regarder à gauche à droite si on fait beaucoup d'autoroutes, et ça c'est un gros plus. Alors, et vous, dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre toutes ces aides à la conduite. Personnellement, moi je suis ultra pour. Lorsque ça fonctionne bien, il y a certaines marques où c'est vraiment l'idéal. Et perso, je pourrais pas m'en passer. J'ai vraiment l'impression d'en faire énormément lorsque je conduis une voiture où il y a tout en manuel. En tout cas, 110, parfait. On va voir maintenant à 130 km/h ce que ça donne. Donc, je peux relancer. Lorsque j'appuie à fond, il y a le kickdown. Et à 130 km/h, eh bien, 130 km/h, on est en 8e vitesse. Et c'est vraiment toujours aussi confortable. On entend un tout petit peu le moteur, mais vraiment pas grand chose. On est à 2200 tours en minute à 130 km/h et c'est toujours super bien insonorisé. Aucun bruit de roulement dans l'habitacle et très légèrement un petit bruit de moteur. Et on entend à peine, donc ça commence à peine à devenir perceptible, quelques bruits du vent. Franchement, pour moi, ça, c'est vraiment une très bonne routière, cette voiture. Elle demande que ça à faire de la route, en fait. Et en plus, le fait que ce soit un diesel, bien justement, ça apporte encore plus de confort et une autonomie qui est un petit peu plus grande. Lorsque j'ai pris le véhicule avec le plein fait, ça m'affichait 800 km d'autonomie. Alors après, bien sûr, tout dépendra de comment vous conduisez. Mais là, j'ai fait une moyenne. Alors, je vais vous dire ça exactement. Donc, vous avez pareil, plusieurs compteurs personnalisables. Dans le personnel, il y a mes infos d'indiquer. Et j'ai fait une moyenne jusqu'à présent de 5,9 litres. On a un réservoir de 59 litres sur ce véhicule. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire. Alors, on va s'essayer un petit peu en conduite dynamique.
Donc je vais me remettre le mode sport pour avoir un petit peu plus de réactivité. Alors là, on a un petit rond-point assez serré. Hop. Et voilà, franchement chez Peugeot, on a toujours un très bon train avant. Hop, ça relance un petit peu. Les freins, pareil. Là, vous avez vu un virage assez serré, toujours très bien maintenu dans ses sièges. Et ça, c'est vraiment très agréable. Alors, on va se faire un petit 0 à 100, on va voir ce que ça donne. On se met un petit peu de temps à y aller. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ça va. C'est largement suffisant pour ce type de véhicule. Et franchement, au niveau relance, alors voilà, il ne faut pas appuyer forcément à fond puisqu'un diesel, c'est pas fait pour ce type de conduite. Mais là, donc, on y va quand même assez vite. Au niveau du freinage, eh bien, c'est suffisant. Et là, on a vraiment, regardez, je suis vraiment bien appuyé. On a un très bon maintien. Eh bien, c'est franchement quelque chose d'assez sympathique à faire aussi. Donc, avec ce mode sport, et si je repasse en manuel, eh bien là, je peux vraiment jouer avec les palettes. Et donc là, ça me donne vraiment hein, toutes les capacités de jouer avec la voiture et les accélérations. Donc, en courbe, très bon maintien. On sent pas trop le poids du véhicule. Alors, c'est un véhicule qui fait environ 1500 kg, mais qui est très bien équilibré. Au niveau du freinage, on a quelque chose, comme je disais, une pédale très progressive. On sent que le véhicule s'arrête lorsqu'il doit s'arrêter. Et si on veut vraiment se faire un gros freinage d'urgence, eh bien voilà, ça freine sans souci, ça déclenche les warnings pour prévenir ceux qu'il y a derrière. Et on a quand même une assez bonne accroche hein, sur ce véhicule qui est plutôt un assez gros bébé. Arrive, freinage, la voiture reste assez droite. Et lorsque je tourne, ben voilà, vous voyez, j'y vais quand même assez vite. Et ben, il y a très peu de sous-virage et pas du tout de sur-virage. Et ça, c'est quand même vraiment une bonne chose. Donc, en dynamique, bon véhicule. Et ça, c'est bien connu de chez Peugeot puisque Peugeot a toujours fait de très bons châssis, tout comme la 208 l'est et tout comme le 3008 l'est. Et j'ai hâte surtout d'essayer le 3008 PSE qui, ça, à mon avis, devrait être très sympa. Ah oui, est-ce que ça vous tente de voir à quoi ça ressemble de nuit? Ouais, allez, c'est parti. Et voilà à quoi ça ressemble de nuit. Donc, on a quelques petites touches éclairées sur le volant, mais ce qu'on remarque tout de suite, c'est les LED qui font le tour de l'habitacle. Donc, à gauche dans les portes là-bas, un petit peu ici, à l'endroit où on range son téléphone avec le chargeur induction et le câble USB, et les portes gobelets juste là. Hop. Et voilà, donc de nuit, pareil, hein, on a le tableau de bord ici qui est bien lumineux, on a cet écran également à cet endroit-là, et on a une ambiance bleutée à l'intérieur. Donc, par contre, on ne peut pas modifier la couleur des LED ici, ce sera bleu, et de l'autre côté, c'est pareil, ce sera bleu, et c'est tout. Il existera en option le mode vision de nuit comme on a eu sur le 3008. Alors j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ça sur la chaîne, n'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse. Alors voilà ce qu'on voit avec la vision de nuit. Donc c'est une caméra qui est fixe dans une rue où il y a pas mal de monde. Un petit truc sympa, c'est quand vous ouvrez la voiture, il y a les crocs qui s'allument, les phares, et ça clignote pour vous dire que c'est bien elle et qu'elle est contente d'être là pour vous. Il reste également, alors là on ne le voit pas énormément, mais les petites LED qui éclairent le sol. Et quand vous rentrez dans la voiture, voici l'accueil, donc avec les LED, le tableau de bord, et donc là il n'y a pas tout. Et quand on démarre, donc on a l'accueil ici qui s'éclaire, le côté gauche, ça, l'endroit où on met son téléphone pour le recharger, de ce côté-là, et l'endroit pour les gobelets. Alors, par rapport aux différents modes du tableau de bord, donc on a le mode sport, donc qui va mettre tout ça en rouge, le mode normal, donc qui se remet juste en bleu, et le mode éco, pareil, qui ne change pas grand-chose, mais c'est en bleu. Alors c'est pareil, ensuite on a les différents menus que l'on peut choisir ici, grâce à tout ça.
Donc, on va commencer par celui-ci, c'est le personnel qu'on a juste là, où on peut personnaliser ce côté et ce côté. On a ensuite le minimal. Alors, comme son nom l'indique, il est vraiment minimal. Il y a juste ça au tableau de bord, la vitesse. Ensuite, on a les cadrans. Les cadrans que je trouve sympa, donc c'est l'endroit où on retrouve le contour ici et la vitesse affichée aussi avec des aiguilles mais en digital. Le mode conduite. Voilà, donc c'est pareil. Donc c'est des sortes de compteurs ici mais qui tournent en fait de cette façon. Je trouve ça plutôt original et plutôt sympa. Ça fait vraiment futuriste. Et donc là, il vous donne les aides à conduite, les lignes qui seront affichées ici si besoin. Le mode navigation, donc là, ça vous affichera le GPS. Voilà, donc là, c'est où on est. Et quand vous êtes sur la route, ça vous affiche le GPS. Bien sûr, de nuit, eh bien, on a les phares automatiques. Ça, c'est vraiment bien pratique, tout comme les essuie-glaces automatiques. Bon, allez, on switch de journée. Et hop, revoilà de journée. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette nouvelle 5008 ? Le petit côté restylage, c'est bien sympa. L'habitacle qui a un petit peu évolué avec l'écran qui change, qui est différent. La cockpit qui est un petit peu plus moderne et plus récent. Eh bien, franchement, pour moi, c'est que du bon. Tout comme le 3008 avait fait vraiment un bon petit coup de neuf. Même si c'est que de légères évolutions, eh bien, ça apporte quand même un petit coup de jeune. Et ça fait vraiment pas de mal, surtout avec l'avant qui devient un petit peu plus agressif et qui donne un côté un peu plus moderne encore. Pourtant, déjà à l'époque, les 5008 et 3008 avaient déjà pris un bon coup d'avance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour plein d'autres essais. Sur cette chaîne, on essaye vraiment de tout, de la familiale à la voiture électrique jusqu'à la voiture ultra sportive. Et toujours, eh bien, le très bon châssis de chez Peugeot. Peu d'évolution sur beaucoup de choses, mais plein de petites touches qui sont vraiment sympas. Niveau consommation, avec ce diesel, c'était vraiment très sobre. Une consommation entre 5 et 6 litres selon ce que vous allez faire comme type de route, ce qui est plutôt économique pour un gros véhicule comme celui-ci. Alors, bien sûr, moi, j'ai fait l'essai sans avoir 7 personnes dans la voiture et sans bagage. Donc, effectivement, ça va jouer un petit peu si vous apportez tout ça en plus. Ce que j'ai aimé également, bah c'est vraiment l'habitabilité intérieure, des rangements un petit peu partout, de la place, de l'espace, on s'y sent bien. Vraiment un confort qui est au top. Ça aurait pu être avec une suspension adaptative encore un petit cran au-dessus. Et franchement, pour moi, c'est largement suffisant. Franchement, il faudrait vraiment pas grand chose de plus, juste une petite version hybride, hybride rechargeable. Ce serait vraiment l'idéal pour les gens qui font un petit peu de ville avec. C'était Nicolas, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao !